Alors, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sioteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, nouvelle vidéo astuce. Aujourd'hui, on va apprendre à devenir riche en 1.1.2. Ça marche aussi sur les autres versions, je suis en 1.1.0. Donc, ça va marcher aussi en 1.1.2 et sur les autres versions. Donc, ce glitch va vous permettre de devenir riche dans ces versions, mais aussi de dupliquer les armes. Donc, ça fait les deux en même temps. Donc mettez ce que vous voulez dupliquer comme arc, comme bouclier et comme arme. Moi par exemple, vu que là on est plus pour l'argent, on va utiliser la torche et le bouclier, celui-ci. On va amalgamer les deux trucs, voilà, comme ça au moins j'ai tout ça. Tac, on va sauvegarder du coup. Ensuite, on va sortir de la sacoche et équiper n'importe quoi. Sortir de la sacoche, équiper n'importe quoi. Et sortir de la sacoche, équiper n'importe quoi. Ensuite, on va sur la map, on va dans le journal d'aventurier. On va ensuite dans l'éveil, par exemple. Regardez, juste une cinématique pendant quelques secondes. Maintenant, je peux passer. Hop. Donc j'essaye de parler le plus rapidement possible, que ça soit donc compréhensible, mais aussi rapide, hein, je ne suis pas là pour vous gratter du temps. Donc ensuite, vous revenez dans votre inventaire, pardon, sortir ce que vous avez équipé, et ensuite charger. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de sortir de l'inventaire, hein. Faut vraiment pas sortir et bouger ni rien. Faut rester dans le menu, soit de la map, soit de l'inventaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ceci. Donc ensuite, après, voilà, je sépare. Bon, après c'est contre 20, mais au final, vous gagnez beaucoup plus. Vous gagnez 480 du coup en bénéfice. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce qui est assez intéressant, pardon, c'est que juste à côté, vous avez une boutique. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, ou dans tous les cas, le stocker, hein, on s'en fout. Sépare-moi ça, hop. Ah oui, il faut bouger ça, ok. Et donc, attendez. Ouais, bon, on va le faire. Bon, c'est assez long, hein, c'est pas efficace non plus comme, comme avant, comme auparavant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une épée, j'ai un bouclier et l'épée, la torche, je l'ai prise, mais vous avez bouclier, épée et arc que j'ai donc dupliqué. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Il y a plein d'autres tutos sur la chaîne, notamment pour la taxidermie, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est encore une exclue française, donc ça fait plaisir. Enfin, exclue en France, personne d'autre l'a fait, donc c'est nickel. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. C'était Auteur, n'oubliez pas que je kiffe. Allez, ciao, ciao!